C'est tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui, vidéo d'achat-revente pour vous expliquer aujourd'hui la tech fuite millionnaire. Donc vous étiez pas mal à me demander dans les commentaires de refaire des vidéos d'achat-revente. Et donc voilà, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc voilà, je vais en refaire une sur la tech fuite millionnaire. J'en avais déjà fait une, mais bon, c'est vrai que maintenant les prix ont beaucoup bougé. Et les joueurs qui marchent sont différents d'avant. Donc voilà, la vidéo je l'avais fait il y a un mois et demi ou deux mois, je sais même pas. Donc là vous voyez que j'ai 105 000 crédits, j'ai fait 24 ventes. Donc les 24 ventes c'est que de la tech fuite millionnaire. Je l'ai fait en une journée. Quand je dis une journée c'est de 11h à 19h30, 20h on va dire. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite mes ventes et après je vais vous expliquer ces techniques. Donc il y a du Ruffier, du Gervinho, Kevin Trapp, Vertonghen, Azpilicueta, Falcao, Lucas Moura. Ensuite, il y a du Baba, du N'Golan, du Rémi. Le seul problème, c'est qu'on voit pas les contrats. En fait, il y a un bug avec IA. On voit pas les contrats ni le style du joueur. Donc, c'est un peu relou. Ensuite, il y a du Matuidi, Mandanda, Marquinhos, Handanovic, Matic, Lukaku, Iturbe, Higuain. Non, ça, Higuain, c'est pas de la tech fuite millionnaire. Vous y intéressez pas. Ensuite, il y a du Moreno, du Benz. Il y a du David Luiz, Shaqiri, El Charoui et Ramsey. Il y a plein d'autres joueurs encore sur ma pile. Donc, les gars, cette technique, c'est simple. Je vous ai mis une liste de joueurs dans la description. Vous prenez un joueur au hasard. Donc là, un joueur qui vient de partir, on va prendre Kevin Trapp. Allez, on va faire sur du Kevin Trapp. Donc, Kevin Trapp, on va saisir d'abord son nom sur le marché. On va regarder son prix. Donc, le prix de Kevin Trapp, c'est combien? C'est combien Kevin Trapp? C'est 850 crédits, donc vous allez monter de 300 crédits. Donc je vais me mettre à 1200. Et vous allez faire défiler les styles appropriés au poste. Donc là, c'est un gardien, donc on va faire tous les postes des gardiens. Donc en gants, vous prenez... le mieux, les gars, c'est de prendre minimum 20 contrats. Mais après, s'il n'y a rien du tout sur le marché, prenez entre 15 et 20 contrats. Vous pouvez prendre entre 15 et 20 contrats. Il faut qu'il ait 99 de forme. Ou entre 99 et 95. Mais c'est mieux qu'il ait 99 de forme. Et avec un style. Ça, c'est obligatoire le style. Donc celui-là, on va l'ajouter aux objectifs transfert. Et on fait défiler les styles. Donc là, il n'y a rien d'intéressant. Ensuite, ici, il n'y a rien d'intéressant. Il n'a qu'un seul contrat. Et enfin, en mur. En mur, il n'y a rien d'intéressant. Regardez, là, il a 25 contrats, un style mur. Mais malheureusement, il a 85 de forme, donc on ne le prend pas. Et ici, il a 27 de contrats, 91 de forme. Mais, oui, il a... Mais ici, il a 91 de forme. Donc là, on ne peut pas le prendre aussi. Donc voilà, on va aller prendre celui avec 19 contrats, celui qu'on a mis sur la pile. Donc moi, les gars, quand je prends entre 15 et 20 contrats, généralement, je mets 500 crédits plus cher. Voire 600, mais là je vais mettre 600 comme c'est 19, hein. 19 ça se rapproche de 20, donc on va mettre 600 crédits plus cher, on va mettre à 1600 crédits le Kevin Trapp. Cette technique je la fais sur le retour de Daniel Vestucci, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir hein, aussi mon retour Daniel Vestucci. Donc voilà, Trapp on l'a fait, on efface cette vente. On peut faire sur un joueur qui marche super bien, exemple Azpilicueta, ça marche super bien, on va aller faire sur Azpilicueta. Donc comme d'hab on regarde le prix d'Azpilicueta. Donc lui il est pas très très cher. On va ici, ouais il est à 1200. Donc on met 300 crédits plus cher. Et on fait défiler les styles défensifs. Donc ça marche aussi pour les styles défensifs. Donc là il n'y a rien d'intéressant. On cherche en pilier. Donc pilier il y en a un intéressant avec 36 contrats, 99 de forme qu'on va mettre sur nos objectifs. Là j'ai bien évidemment j'ai loupé le 47 contrats, 99 forme. À 1400 aussi on va le mettre sur nos objectifs de transfert. Ensuite là on n'a rien d'intéressant. Et comme on va mettre charnière. Donc charnière, il n'y a rien pour le moment. Ouais, il n'y a rien d'intéressant en charnière. Hein, en ce moment, les gars, franchement, ça sent la fin de fuite, hein, clairement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont 99 de forme. Donc là, il n'y a rien aussi. Et enfin, en garde, il y a ça avec 25 contrats. C'est bon, on va le mettre aux objectifs transfert. Ensuite, il n'y a rien d'intéressant. Et enfin, en sentinelle, qu'est-ce qu'il peut avoir d'intéressant? Il n'y a rien. Donc, on va voir sur nos objectifs de transfert la meilleure carte. Donc, ah, il est parti. Ah, merde, il est parti. Tant pis, on va prendre celui avec 36 contrats.
et 99 de forme avec un style pilier. Donc voilà, c'est très très intéressant. Celui-là, on va le mettre 600 crédits plus cher. Donc je vais le mettre à 2000 crédits. Et normalement, les gars, ça part en 3-4 heures. 5 rollistes maximum. Hein. Mais bon, franchement, moi, ça part très rapidement avec moi, les TechFit Millionnaires. Donc voilà, on va supprimer à celui du côté. On peut aller en faire un petit dernier, les gars. Quelqu'un qui marche super bien. On peut faire sur... sur qui on peut faire? Bon, on va faire sur le Lukaku. On va faire sur Lukaku qui marche super bien. Donc, Romelu Lukaku. On va voir son prix sur le marché des transferts, oui. Donc, oula, il a remonté. Il est à 1600 crédits, le Romelu Lukaku. Donc, on va monter 300 crédits plus cher, 1900 crédits. On fait défiler les styles offensifs, donc sniper. Pour le moment, il n'y a rien d'intéressant. Ah, il y a un 40 contrat ici qu'on va mettre aux objectifs. Là, il a 97 de forme, c'est mort. Ok. Il y a Lukaku, il a un up aussi. Mais bon, les gars, franchement, on s'en fout. On s'en fout du up. Vous pouvez prendre le nom up comme le up. Il partira. Ça prendra le même temps pour partir. Franchement, c'est. Il y a vraiment aucune différence. Donc voilà, parce qu'il y a des gens aussi qui m'ont posé cette question dans les commentaires. Et franchement, il n'y a aucune différence. Hein. Vous pouvez prendre le up comme le non-up. Donc voilà, là je mets les cartes intéressantes sur mes objectifs de transfert. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 23 contrats, 99 formes, on met aux objectifs. Ensuite, style Vista, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Il n'y a rien d'intéressant en Vista. On va mettre en canonnier. Donc canonnier. Canonnier. Il n'y a rien pour le moment. Il y a un 20 contrat ici. On le met aux objectifs transfert. Ensuite, œil de lynx. Donc œil de lynx. Il n'y a rien pour le moment. Il n'y a rien. On va regarder les styles, les gros styles là. Donc chasseur. Privilégier hein, les styles chasseur, catalyseur, ombre au début. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais privilégier ces trois styles là. Pour le moment, il n'y a rien. Et enfin, en ombre, il n'y a rien non plus. Donc voilà, là, on va aller prendre la carte la moins chère et la plus intéressante qu'on a ajoutée à nos objectifs transfert. Donc, il y en a. Oula, parfait. Il y a une carte à 1700 crédits. 40 contrats, 99 de forme, on va la prendre et on va la lister. 600 crédits plus cher afin que ça parte plus vite. Donc on va le mettre à 2300. Voilà, parfait. Et donc voilà les gars, on va arriver à la fin de la vidéo explicative de la TechFut Millionnaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse... Vous voulez que je fasse d'autres vidéos d'achat-revente sur le, par exemple la Tech Avion, parce que je sais que la Tech Avion, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et les joueurs ont un peu... c'est vrai que les joueurs de Tech Avion, leurs prix, ils ont beaucoup bougé. Donc je pense que je vais en refaire une aussi, une vidéo sur la Tech Avion. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Je vous répondrai volontiers, les gars. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher le max de likes comme d'habitude. Et moi, je vous dis à la prochaine, les gars, pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Ciao. We'll be right back.